vous allez bien? Aujourd'hui, on est le 11 mars, il est 11h30 et quelque chose, presque 40. Ça fait 15 000 fois que je recommence cette séquence de vlog parce qu'un coup, j'ai Sarah qui m'appelle, un coup, j'ai Roxane qui pleure, un coup, j'ai Ruben dans la chambre. Après, je m'aperçois qu'en fait, j'ai deux boutons, donc ça me gave. Voilà, ça fait 36 000 fois que je recommence ce truc. Bref, on est mercredi, donc j'ai toutes les filles aujourd'hui. Donc là, c'est... comme tous les mercredis matins, séance ménage. Tout le monde me donne un petit coup de main. Quant à l'état de santé de Roxane, elle va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça fait deux nuits qu'elle dort en nuit complète. Donc, ça fait un bien fou quand même. Voilà, j'ai envie de dire. Ce matin, elle s'est levée, il était 10h30. Donc, franchement, c'est trop cool. Pour ceux hier qui m'auraient dit qu'il ne fallait pas emmener Roxane aux urgences et qu'il fallait l'emmener chez un médecin généraliste, alors il faut savoir que nous, dans nos urgences, il y a une maison médicale et dans cette maison médicale, il y a donc des généralistes. Donc le médecin a donc pu soigner Roxane puisque le médecin qu'elle a eu est un docteur généraliste, bref. Et que si j'aurais appelé mon médecin généraliste, ici, pour avoir un rendez-vous, c'est minimum 4 jours, même en urgence. Quand Sarah, quand Roxane a eu la scarlatine, on nous a pas pris. Donc voilà, je préfère l'emmener aux urgences maintenant tout de suite plutôt que d'attendre 4 jours. Vous avez vu comment elle souffrait dans les vlogs, j'allais certainement pas attendre 4 jours que le médecin la prenne, donc je l'ai emmenée aux urgences. Voilà, c'est un avis divergent, mais hier je pense que c'était je pense que c'est la super lune qui vous a donné cette envie de mettre que des mauvais commentaires. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ça fait partie des raisons pourquoi hier je n'ai pas vlogué, parce que c'était une majorité de commentaires négatifs et non constructifs. C'est surtout ça, parce que ce soit négatif, des fois ça arrive, mais c'est pas constructif du tout. Donc hier, j'ai pas préféré vloguer. De plus, le 13 mars, c'est la date du décès à mon père. Donc du coup, je n'avais pas du tout envie de me prendre la tête avec des futilités pareilles. Bref, le principal, c'est que Roxane aille beaucoup mieux, qu'elle soit guérie et tout va bien. Voilà, aujourd'hui on est donc mercredi, je vous ai dit j'ai toutes les filles, donc cet après-midi je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme activité, parce que normalement ce qui était prévu c'était qu'on devait préparer le bâton pour la piñata là, de Sarah, pour son anniversaire qui est le 26 mars, mais on le fête le 28 à la maison avec ses copines, et donc on a décidé de faire une piñata, mais il faut le bâton là pour la casser, cette fameuse piñata, et donc c'est censé être une activité de mercredi avec du papier crépon, etc. Pour que les filles soient occupées. Sauf qu'avec les scarlatines et les double otites de Roxane, j'ai pas eu du tout le temps d'aller au magasin chercher de quoi faire le bâton et de quoi aller chercher du papier crépon. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi. On verra bien. Je trouve toujours quelque chose à faire. Donc on devrait y arriver. De toute façon, il faut que Roman cet après-midi fasse ses devoirs. Plus s'avance dans ses devoirs, puisque chez sa maman, en plus de ne pas avoir fait ses devoirs, elle ne s'est pas avancée non plus. Donc du coup, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail cet après-midi. Raphaël, quant à elle, vu qu'elle était avec nous, évidemment, elle a fait ses devoirs. Et elle s'est avancée aussi. Donc elle, c'est que de la révision, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà ses devoirs de lundi. Donc je vais lui faire avancer jusqu'à lundi. Donc de toute façon, avant les activités, il y a ça de prévu. Donc là, je vais continuer mon ménage. Je suis toujours assise par terre parce que tout à l'heure, Roxane était avec moi et que là, elle n'est plus là. Voilà, moi, il faut que j'aille mettre mon linge au sale, etc. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire et j'aimerais bien que ces boutons partent. Je pense que je vais me faire un petit masque en même temps que je vais faire mon ménage, parce que là, ça, c'est les joies de l'arrêt de la pilule. On est content. N'arrêtez pas votre pilule, en fait. Non, je rigole. Il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur l'arrêt de la pilule. Franchement, j'ai vu des trucs, des changements de folie sur mon corps. Il faut absolument que je vous en parle. Qu'est-ce que vous faites? Des bisous? Oh, ils font des bisous et des câlins. Fais un bisou à Yaya. Tu fais un bisou à Yaya? Piggy, Piggy, Titi, attends, Titi, Yaya, oh, mes amours, oh le gros câlin, ah, de serpent là, dis donc.
Un bisou. Bon, grand ménage terminé. J'ai fait mon masque, ça se voit. Celui-là, il est moins rouge. Bon, il est 12h30. Mais comme on a déjeuné tard, on va pas manger tout de suite. On a fini tout le ménage. Là, ça y est, Raphaël est en train de finir sa chambre. Donc après, je lui fais les devoirs avant de manger. Je vais mettre Sarah et Roxane au bain pendant ce temps-là. Et Romane, j'y ferai ses devoirs cet après-midi. Mathieu me disait que ce soir, quand il va rentrer, on va peut-être se poser un petit peu dans la caravane pour essayer de faire le coffrage du lit. Ça serait bien parce que là, franchement, il fait pas spécialement très beau chez nous, mais il fait pas froid. J'ai les fenêtres ouvertes. J'ai même sorti les petits pieds de tomates là qui commencent à pousser. D'ailleurs, faut que Mathieu il les mette en solitaire, mais vous voyez, ça commence, je sais pas si vous avez, voilà, ça commence à bien pousser, donc je les ai sortis un petit peu parce que bah là franchement on a les fenêtres ouvertes et il fait pas du tout froid, donc franchement ça fait super du bien, même s'il fait pas beau, c'est pas grave, ça fait trop du bien. Donc bain et devoir, et on se retrouve après manger, je pense, je sais pas, on verra. J'en ai plein le crâne aujourd'hui. Il est 5h, Mathieu est rentré. Il est en train de démonter une palette. Et Roxane lui fait 1, 2, 3, gagné papa. Donc pourquoi il démonte une palette? Tout simplement parce qu'il va commencer à faire le coffrage de notre lit au niveau de la caravane. Alors je vous en dis pas plus pour l'instant. On vous montrera comment ça donnera à la fin. Parce que là, si je vous dis, il veut faire ça, comme ça, comme ça, vous allez rien comprendre. Parce que même moi, des fois, il me dit, je veux faire ça. J'ai dit, ouais, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Voilà. Les devoirs des filles, c'est fait. Donc pour demain, Raphaël s'est avancé jusqu'à jeudi prochain. Parce qu'elle voulait s'avancer dans les devoirs. Donc ça, c'est fait. Romane, pour l'instant, n'arrive pas à s'avancer dans les devoirs. Donc je lui ai fait faire demain. Je crois qu'elle a commencé à apprendre sa leçon de vendredi, mais pour l'instant ça imprime pas, donc je lui ai dit ça sert à rien, range ton cahier, voilà. Elle fera ça demain avec son père à tête reposée. Donc là Raphaël est au bain parce que bah, comme elle a fait beaucoup de devoirs cet après-midi, elle avait besoin d'un coup de détente, donc je lui ai dit bah va faire un bain. Et bah, comme je disais, Roxane elle est là en train de regarder Mathieu démonter une palette, voilà. Sinon je suis trop contente, Mathieu quand il est rentré du boulot tout à l'heure, il m'a dit oui j'ai un cadeau pour toi. En fait il a récupéré à la benne un pied de micro, et donc du coup à chaque fois je disais à Mathieu, les micros j'en ai, hein, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois quand je fais une vidéo il y a un défaut de son de micro parce que soit le son n'est pas pris au-dessus ou en dessous. J'ai Sarah qui pleure, je vais pas y arriver, je vous reprends après. Bon, je ne sais plus ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Que tu avais fait les devoirs des filles. Ouais. Que là, Raphaël, ah oui, que Raphaël faisait son bain parce que bah, Romane ça avait été un peu plus compliqué. Ouais, enfin bref, on a passé toute l'après-midi sur les devoirs de Raphaël, mais bon, elle est tranquille jusqu'à jeudi prochain. Donc ça c'est bien parce que du coup ce week-end, au lieu de s'occuper des deux filles, ben on en aura qu'une à s'occuper pour les devoirs, et ça c'est plutôt pas mal. Non, voilà, c'est déjà pas mal, voilà. Ah oui, je parlais aussi du coffrage, etc. Enfin bref, vous verrez ça quand la caravane sera terminée, parce que ben, des fois c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'idée, quand on voit pas ce que les autres veulent faire, c'est pas évident de comprendre ce qu'ils essayent de faire. Enfin, bref. Donc là Sarah va aller au bain avec Roxane du coup, et moi je repose un peu ma tête parce que bah comme je vous dis souvent, le mercredi j'en ai plein la tête,
Et là, j'en ai plein la tête. Ouais. Donc, je vais rester à regarder Mathieu, clairement, démonter sa palette. Je vais l'encourager. Et puis, je vais peut-être faire lire le livre à Sarah tranquillement sur le canapé, parce que tout à l'heure, elle voulait lire un peu. Donc, je vais peut-être faire ça tranquillement. Mais finis les devoirs, parce que là, j'ai l'impression que c'est moi qui les ai faits à leur place. Je suis usée, mon cerveau, il fume. Bref, allez. Après, je pourrais aller faire ma douche aussi, ça me fera du bien, je pense. Les amis, il est 6h10. Mathieu est toujours en mode bricolage. Voilà. Et moi, du coup, j'ai commencé à préparer les quiches pour ce soir. Parce que ce soir, on mange quiche, jambon, gruyère, lardon et chèvre. Et une quiche au jambon et lardon. Je crois que c'est ça. Avec du gruyère, toujours. Donc, comme il est en train de bricoler, bah, c'est moi qui fais à manger. Même si c'est, je vous avoue, même si j'ai 29 ans, c'est la première fois que je fais des quiches. Parce qu'en temps normal, j'aime pas ça. Mais en fait, en Normandie, chez la cousine à Mathieu, elle nous a fait des quiches que j'ai beaucoup aimées. Donc, du coup, je lui ai demandé la recette. Et du coup, je suis en train de reproduire ces quiches. Voilà. Donc, c'est la première fois que je fais des quiches. Donc, j'ai oublié de mettre un papier sulfu au fond de celle qui est en train de cuire. Donc, probablement qu'elle va coller au cul. Mais, c'est un. C'est ça, la première fois que je fais une quiche, bah, j'aurais été une quiche. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ça, non? De quoi? Bah, j'ai fait une quiche, donc je suis une quiche. Parce que je vais l'avoir probablement ratée. N'importe quoi. On verra bien. Bref. Donc. Allez, on continue notre douce journée. Je suis exténuée aujourd'hui. Exténuée, les amis. Bon, je crois que... Elle a l'air bonne, cette quiche. C'est au chef. Je crois que je vais pas trop mal réussir. Raphaël, elle a dit qu'elle avait l'air trop bonne. Hein, c'est vrai. Et là, il y a celle au poireau là qui est en train de chauffer dedans. Je crois qu'on va se régaler, les amis. Aïe, il me donne un gros coup. Je croyais que tu repartais. Je serais bien dodo, les amis. Quelle heure il est, tu sais? Oui, 23h. Non, c'est pas vrai. Il est temps d'aller se coucher. Il est 8h15. Voilà. On vient de coucher Sarah et Roxane. On leur a donné leurs médicaments aussi. C'est fait. T'as vu, je vieillis, j'ai des cheveux blancs. Non, c'est le reflet, mon ami. Non, non, j'ai réellement des cheveux blancs. Ouais, regarde-moi aussi. Donc, du coup, là, je vais aller faire un petit bain. Et Mathieu s'est gentiment proposé pour monter le vlog. Parce que ce soir, c'est moi qui a tout fait. Oui, ah bah oui, j'ai rien fait. Bah, si tu non, faisais mais, tout de non, mais en bouffe, je veux dire, pour le repas, j'ai rien fait. C'était très bon, ça avait même pas collé aux fesses. Non, non, du tout. C'était très bon. J'arrive pas à nettoyer la casserole du truc au poids. Bah, je m'en occuperai, c'est pas grave. Le truc de quoi? La quiche au poire, ça a pris du coup. Au poire, la quiche au poire. La quiche au poire, j'ai pas fait de quiche au poire, mais. La quiche aux courgettes, non plus, j'ai pas fait de courgettes. Les poires, c'est ce qui était le plus près au niveau du mot. Ouais, poireau, ouais. Mon dieu. Bon, c'était bon, donc tant mieux. Donc là, je vais aller me détendre un peu dans le bain. Et voilà. Ah, je l'aurais bien mérité. Ok. Ah, j'aurais bien mérité. Oui, bah évidemment. Allez. Ah, j'ai fait mon petit bain, les amis, il était tout petit. Parce que d'habitude, quand je fais mon bain, je regarde les vidéos des petites youtubeuses que je suis. Et là, j'avais plus de batterie. Ni sur mon portable, ni sur le portable à Mathieu, ni sur ma tablette. Donc c'était un tout petit bain parce que je m'ennuyais en fait. Tu sais que j'aurais pu te prêter mon téléphone de boulot. Non, mais tu me dis ça une fois que je suis sortie. C'est trop tu tard. M'as pas demandé. Bref, du coup, Mathieu, il a monté le vlog et il m'a dit oui, quand tout à l'heure, Sarah, elle a pleuré, t'es parlé du micro et en fait, t'as pas fini.
Voilà. Oui, c'est ça. Donc j'étais en train de vous dire que Mathieu m'avait trouvé à la benne un pied de micro. Comme ça, là, où le micro arrive... Une perche, quoi. Ouais, voilà, où il arrive devant la bouche, quoi, au lieu d'être comme ça. Parce que je vous disais que souvent, quand je vous fais des vidéos face cam avec le micro, le son, soit il arrive au-dessus, soit il arrive en face. Mais du coup, il y a toujours un défaut de son et ça m'énervait. Et donc, du coup, là, on en parlait la dernière fois avec Mathieu en se disant, ça serait bien qu'on achète une perche à micro pour voir. Mais du coup, on n'a pas eu besoin de l'acheter puisqu'il a jeté. Mmh. C'est quand même très intéressant. Voilà. Tout ça parce qu'il manquait comment ça s'appelle ? Un bouchon, en fait, qui était un peu bancal. J'ai remis un bouchon. Bah oui. Bon, bah voilà. Donc, au moins, quand je vais avoir le temps de mettre la vidéo qui habille, de faire le début et la fin, que je n'ai toujours pas eu le temps aujourd'hui. Le pire, c'est que tout est monté, la voix off est faite. Ouais, la voix off est faite, la vidéo est montée. Il me reste juste à dire coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un haul qui habille. En gros, c'est ça. Et après, j'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Tralali, tralala. En gros, j'ai que ça à faire. Mais sauf que comme je suis toute la journée en pyjama en ce moment, ben, j'ai pas le temps. Voilà. Ah, en même temps, on a fait des journées un peu rapides. Par contre, du coup, je reprends part sur le micro. Il va falloir absolument qu'on achète l'anti-crachouillon. Ouais, la truc, elle, ça coûte très cher. Ouais, donc, ça va attendre. Je sais. Non, c'est le pop que tu parles, toi. Oui, le pop, ouais. Ouais, moi, je parle de la moumoute. Non, moi, je parlais du pop. Le pop, il coûte moins cher, je crois. L'anti-pop. Enfin, moi, j'appelle ça l'anti-crachouille. Non, mais ça s'appelle un anti-pop. Parce que ça enlève les p. Oui. Du p. Ça évite que tu craches sur le micro, c'est ce que je dis. C'est pas du tout ça. Bref. Ah bon. Du coup, là, tout le monde est couché. Les filles aussi. Ouais, normalement. Donc, tout le monde est couché. Il est 21h18. Donc là, on va finir de monter le vlog. Moi, pendant que Mathieu montait le vlog, j'ai fait un petit peu de code aussi. Comme c'était calme, j'ai dit à Mathieu, allez hop, au code. Donc, je fais moins de 10 fautes. C'est pas mal. C'est bien. Quand même. Sachant qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps d'en faire. Bah, je fais moins de 10 fautes. Donc, c'est pas mal. Et puis, en plus, là, j'étais pas concentrée du tout. Parce que j'écoutais ce que Mathieu faisait sur le vlog. Donc, j'étais pas du tout concentrée. Pas concentrée, fatiguée. Fatiguée, etc. Mais bon, tout va bien. Je ne désespère pas. Pardon. Moi non plus. Je ne désespère pas, un jour ou l'autre, j'y arriverai avec ce code. Voilà. Mais tu y arriveras, j'en suis sûr. Donc nous, on va vous laisser là. Hein. Ouais. On va aller regarder les bracelets rouges qu'on a ratés lundi parce qu'on regarde tellement de replays qu'on oublie qu'il y a des émissions bien aussi des fois. Ouais. Voilà. Donc on va aller regarder ça. On vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, etc. etc. et de cliquer sur le lien YouTube. D'ailleurs, on n'a pas été voir depuis un petit moment, je ne sais pas combien. 35,80. Oh, c'est pas mal ça! Oui, parce que j'y suis allé ce matin. Ah, enfin, merci matin, les amis! Ce matin, on était à 35,80. Donc n'oubliez pas de cliquer sur ce petit lien pour continuer à nous encourager. Voilà. Ou 34,80, j'ai un doute. Enfin, non, bon, parce que j'étais déjà à 34 en Normandie. Ah, bon, bah 35,80, effectivement. Bon, on vous fait tout plein de gros bisous et on vous dit à demain s'il y a des choses à vlogger parce que demain, je ne sais pas. Voilà. Ciao, ciao les amis!